Vous voici dans le Saint des Saints, laboratoire de fabrication de crème solaire. Chaque formule est totalement unique. Il faut parfois plus de 3 ans pour mettre au point certaines formules. Imaginer une crème solaire, c'est en effet assembler avec précision et subtilité plusieurs ingrédients pour en faire, comme en cuisine, une émulsion. Émulsion, ça veut dire qu'on va mélanger plusieurs phases, notamment de l'eau, ici, et de l'huile, de façon stable, pour pouvoir recréer une crème. De l'eau purifiée, des huiles végétales et des filtres UV, voici donc les trois ingrédients de base d'une crème solaire. Chauffés et mélangés à des gélifiants, ils vont prendre progressivement leur texture finale. Donc là, comme vous pouvez voir, la crème est en train de prendre forme. Cette formulation que vous venez de découvrir va permettre de protéger votre peau notamment de deux types de rayons, les UVA, ceux qui vont agir sur l'âge de votre peau, et les UVB, ceux qui vont brûler votre peau. Alors comment bien choisir votre produit pour vous protéger de ces rayons? Eh bien, il va falloir regarder le critère SPF. SPF, c'est Sun Protection Factor. Ça va refléter la quantité de filtres solaires qu'il y a à l'intérieur du produit. Une fois la formulation définitive élaborée, reste à passer à l'échelle industrielle et le procédé n'est finalement pas très différent. On est comme dans le laboratoire, mais en version beaucoup, beaucoup plus importante. Donc dans cette cuve se retrouvent l'huile et les filtres solaires protecteurs. Dans celle-ci, on va retrouver l'eau et les gélifiants. Et les deux phases vont être mélangées dans cette cuve. Après le passage en cuve, la crème est amenée ici, dans l'usine. Là, vous avez précisément une tonne de crème solaire qui ensuite, via ce tube, va gagner la machine qui va répartir la crème dans les flacons. Cette étape est très sécurisée, elle répond à un certain nombre de normes de l'industrie pharmaceutique. On appelle ces normes des BPF, qui sont des bonnes pratiques de fabrication, avec des conditions d'hygiène très strictes. Chaque tube de crème produit ici aura subi au final pas moins de 135 tests qualité. Et pour profiter vraiment de cette protection, évitez d'utiliser un tube ouvert il y a un an. Les filtres UV ne seront plus suffisamment protecteurs.